Zelda, voilà. Vas-y, lis ton résumé. Et si d'autres ont quelque chose à rajouter, ils le feront. Alors du coup, eh ben, la mère de Zelda, Ashley, elle va beaucoup mieux, elle est sortie d'affaires, enfin, c'est pas trop tôt. Elle a beaucoup trop confiance dans les capacités de sa fille, ça met la pression, ça aussi. On a pu voir que Zil a un ego surdimensionné, comme disent, a vraiment des problèmes de vocabulaire et que Chad est une vraie pipelette. Voilà. John leur a annoncé qu'ils allaient devoir passer leur rite de passage ensemble. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Rite qui consiste en la récupération d'informations sur Hood 7 et le complexe du casino du Lac des Torches. Pour se préparer, ils se sont rendus chez Zil, qui avait une superbe garde-robe et surtout un chalet assez grand pour tous nous accueillir. Nous avons fait la connaissance de Jenny, sa parentèle, qui habillait Zelda. Non, il n'y a pas eu de soirée pyjama. Parce que Amziz, en prenant l'air, il est tombé sur un esprit, il a appelé à l'aide. Donc tout le monde s'est précipité et ils se sont tous rendus au casino. Et on a trouvé le moyen d'y rentrer, hein, malgré qu'on n'a même pas l'âge légal. Parce que bon, c'est important quand même. C'est pas très légal, hein, voilà. Et rentrer dedans, donc, et même d'accéder au sous-sol. Et là, culot sur sang de Chad, hein, il a trop assuré. Ouais, du coup, bah, on s'est retrouvés devant un fétiche corrompu. Amziz nous a traînés dans l'ombra et on s'est trouvés face à face avec deux très moches trucs qui s'appellent donc des flyels. L'un de la tristesse et l'autre de l'avidité. Voilà. Et on s'était arrêté là. Et juste avant le début d'un superbe ou pas combat. Alors du coup, bah, je vous ai trouvé une petite illustration pour le fameux fétiche. Voici à quoi il ressemble, hein, même si bah, vous voyez un peu plus verdâtre, hein, que je vous disais. Enfin. J'ai le Graal. Tu as choisi judicieusement. Voilà. Et donc oui, hein, vous étiez passé dans l'Umbra. Alors, en revisionnant, je trouvais que justement, j'avais pas suffisamment bien décrit l'Umbra, surtout par rapport à justement ce que j'ai pu discuter avec Exil ou autre. Hein, donc, mais avant de se remettre à fond dans le bain, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport au résumé ? Qui n'était pas du tout objectif, je l'avoue. Non, le casino, ça pue. Il me semble que sur YouTube, j'ai vu un commentaire disant que la mission devait être effectuée en toute discrétion. Je crois que c'est un MJ qui a écrit ce commentaire. Oui, c'est ça. Bah, je l'ai dit dans le résumé, hein, on devait récupérer des informations. Ah ouais, on est en train de récupérer. Et on n'est pas encore récupéré. Discret. Le caractère discret de ce qui était demandé, aucun souvenir de ça. Donc moi, à un moment, s'il faut faire péter l'établissement avec du méthane, bah, je suis sûr que Zil va pouvoir en donner des cargaisons. Et quoi de méthane? Avec toute la langue qu'il a mangée. Il a des problèmes gastriques ou... Tu peux gagner un point de rage avant le combat. Tu veux dire qu'il ne peut pas voler. Non, tu sais, tu gagnes pas de points de rage HRP, c'est ça qui est dommage. Alors, il pète pas plus haut que son cul, en tout cas, je suis sûr et certain d'une chose, c'est qu'il pète plus haut que le mien. C'est pas du tout. Oui, effectivement. Rappelle que le mec est une baraque à frites. Hein, Non, pas à frites. Ah, on en reparlera quand tu colleras des patates au flyel. On verra si tu fais pas des frites avec tes mains. Ok. Eh ben, si c'est bon pour tout le monde, hein, je pense qu'on va sur ces belles paroles. C'est l'heure du combat. Alors déjà, remettons-nous dans le bain. Voilà. Donc oui, hein, vous étiez rentré dans le casino. Hein, vous avez joué finalement de discrétion, de diplomatie, hein, pour accéder à ces sous-sols, hein, là où finalement Amziz vous a mené, où vous avez pu voir, hein, bah, ce fétiche. Hein, j'y pense, on n'a pas posé la question, est-ce qu'au niveau du son, c'est bon, en fait, peut-être... Dites-moi, est-ce que l'équilibre est OK entre les voix de tout le monde, la musique et tout ça? On a trouvé que la musique était un peu forte sur les redives, donc ouais. Comme d'habitude, n'hésitez pas à être critique sur le son, parce que c'est beaucoup plus difficile de faire
Bah, si je peux éviter de repasser derrière, ça m'arrange. Voilà. C'est-à-dire qu'on a personne pour faire le mixage en direct derrière, quoi, en fait. Zeno, il dit top. Ok. Top à la vachette. Ça va, on m'entend pas trop brailler par rapport aux autres. J'ai l'impression de... que ma barre va plus dans le... plus haut que les autres. Bon, a priori, non, ça me semble nickel pour l'instant. Ouais. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour. Dankeschön. Donc je reprends. Hein, vous étiez rentré discrètement, hein, en faisant preuve de discrétion et de diplomatie. Et vous êtes arrivé donc au niveau des sous-sols. Hein, d'abord, vous avez trouvé un local technique, hein, avec, vous avez dit, bah, les chaudières, hein, des chaudières fuel, groupe électrique, hein, qui fait de l'eau glacée pour l'été pour faire de la clim. Et ensuite, hein, une porte vous amenant dans une pièce au mur nu, faite tout en béton, avec ce gobelet, ce fétiche, hein, qui était au centre, hein, qui pulsait. Vous avez décidé de passer dans l'Umbra. C'est là qu'une fois dans l'Umbra, vous avez vu ces chaînes, hein, qui partaient justement de ces fétiches. Hein. Et faut savoir que dans l'Umbra, hein, finalement, seuls les bâtiments anciens ont vraiment une forme physique. Hein. Et finalement, bah, là autour de vous, bah, y a quasiment rien. Parce que bah, c'est... Et le bâtiment est très récent. Hein. Et à part ce fétiche, hein, qui est au centre, vous sentez... Hein, des choses autour, vous voyez des arbres un peu plus loin ou autre, hein. Mais là où vous êtes, hein, c'est comme si en fin de compte tout avait été rasé. L'endroit où vous êtes, hein. Donc vous ne voyez plus le casino une fois que vous êtes dans l'Umbra. Il y a de l'espace, quoi. Et vous avez, oui, c'est ça, tout à fait. Et donc si, vous avez ces deux flyels, hein, qui vous ont encadré, l'un derrière, hein, celui-ci qui est apparu. L'autre, de l'autre côté. Donc ils sont deux, hein, et vous ont regardé avidement. Avant de rentrer également plus, j'aimerais savoir exactement comment vous vous situez par rapport à ces deux esprits. Or, je crois que toi, Zelda, tu étais assez proche, hein, du fétiche, parce que tu m'as dit que tu avais regardé à l'intérieur, s'il y avait quelque chose. Donc je considère que t'es juste à côté. D'accord. Voilà. Zil, toi, où est-ce que tu es ? J'avance près de l'un des deux. je vais avancer vers... Ok. Ok, c'est... En fait, là, je joue juste position initiale. Ok, un peu devant les autres, en protection. Shadé me dit... Bah, il y en a un qui est devant, il y en a un qui est derrière. Hein. Ok, bah, j'avance vers Chapeau Boy. Donc là, pour l'instant, bah voilà. Zelda, toi, t'es en face, hein, de celui qui ressemble plus à un arbre, hein, je vous disais, c'est avec ses différents, c'est visages. Hein. Celui-là, c'est celui de tristesse, hein, et l'autre, justement... Avidité. Avidité, c'est ça. Et donc, Shad, Amziz, où est-ce que vous vous situez par rapport à Zelda et Zil ? Entre les deux. Puisque j'avais du coup, effectivement, servi de passeur pour arriver dans l'ombre, j'imagine que j'étais plus ou moins au centre du groupe. Oui. Et de ton côté, Shad ? Bah moi je suis encore devant ou derrière Amziz, j'avoue que j'ai plus souvenir exactement d'où je me suis situé en fait. Donc à côté de Amziz, donc finalement, ouais. Voilà, vous êtes encadré par Zelda et par... par les embrasses. Voilà, c'est ça, par Zelda et Zil. Ok, et eh ben je pense que là on va pouvoir justement rentrer dans le vif du sujet, hein, et dans un premier temps... Je vais vous demander à tous un petit jet d'initiative. Mince, elle est où celle-là ? Dans catégorie combat, tu as le premier bouton, c'est l'initiative. Oui, ça y est, je trouvais, merci. Clique sur nos tokens. Comment ? Non, je disais clique sur nos tokens, mais apparemment ça marche comment ? Moi, on fait sans le token pour le coup. Ouais, j'avoue, comme on fait sans les tokens... Ah bah... Ok, bah, clairement. Tu m'enlèves un en unit parce que là j'étais en forme. Ouais, ça change pas grand chose. Donc tu vas pouvoir agir en premier, Zil. Ok. Alors je vais claquer un point de rage pour me transformer en Krinos. Ok, ça marche.
Tu te transformes. Je crois que tu nous avais déjà décrit, mais bon, tu peux nous redécrire hein, cette forme Krynos hein, finalement que tu as, hein, parce qu'elle est assez impressionnante. Hein. Alors oui, la forme Krynos de Zil est déjà... Normalement, les Krynos les plus grands sont à 3 mètres et lui, il est à 3,50 m. Donc il est très grand. Il n'est pas forcément hyper épais, une armoire à glace, parce que bon, il est jeune et il n'est pas non plus énorme. Mais il a une particularité, c'est qu'il est blanc. Blanc et sur au niveau de sa chevelure et de son dos, et qui descend même au niveau des coudes, il a une épaisse crinière qui est argentée. Et il est vraiment immaculé, impressionnant, et des yeux bleus très perçants, et toute la bestialité de ce qu'il refoule en tant qu'Omidée ressort à ce moment-là. Ok, ça marche. Hein. Donc c'est vrai que pour situer hein, ceux qui auraient du mal à imaginer, hein, il fait quasiment 2 étages hein, de haut, hein, pour vous donner l'idée hein, en termes de hauteur. Voilà. c'est le beau bébé. Hein. C'est ça. Zelda. Moi, je vais tenter le Glabro. Il faut que j'utilise un point de rage aussi pour ça. Oui. Ok. Bah ouais. Et ben. Ouais. Si tu veux te transformer en un. Tu peux, si tu le souhaites, hein, et ce serait une action gratuite pour la sortir, tu peux utiliser ta dague hein, dans ce combat. En Glabro. Ok. Si jamais. Voilà. Tu utiliseras du coup mêlée hein, plutôt que bagarre pour attaquer, mais. Et okay. Voilà. Tu peux parfaitement l'utiliser. Hein. Ok. Merci. Je te rappelle. Ok. Ensuite, Shad. Donc, moi, je m'exprime. Et je dis. Ah, et donc, on n'essaie même pas discuter. Et je me transforme en Krynos direct. Ok, bah toi tu peux nous décrire aussi ta forme Krynos parce que tu ne l'avais jamais décrite en plus. Hein, Bah effectivement, je l'avais jamais décrite. Du coup, je me transforme en forme Krynos. J'atteins une taille tout à fait honnête, mais un tout petit peu en dessous parce que mon personnage est un petit peu petit. De sa fourrure qui est plutôt brune avec des taches un peu blanches. J'ai les dents bien pointues et j'ai le regard un peu fou. Ok. Rassurant. Et enfin, Amziz. Moi, j'ai aussi dépensé instinctivement un point de rage. Par contre, je vais sauter directement en forme Hispo, plutôt. D'accord, c'est le grand loup, hein, c'est ça. C'est hein, ça. Pour rappeler aux gens. Hein, donc, la forme que Zelda a choisie, hein, c'est celle qui est entre justement le loup-garou, hein, comme on l'entend, et l'humain. Tandis que Amziz, lui, c'est entre le loup-garou et le loup, hein, donc une forme de qu'on appelle souvent le grand loup, en fait. Pensez, loup-garou, peut-être Game of Thrones. Ça colle bien. Gros loup, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est ouais. Ça, les loups géants. C'est ça, c'est tout à fait ça, les loups géants, en fait, hein, dans Game of Thrones. Pour situer un peu pour les autres. Quel est ton pelage? Tu peux nous rappeler Le mien est brun. C'est bruni et quelques taches un peu plus sombres, mais dans l'ensemble, c'est la couleur qui prédomine. De loin, il n'y a pas particulièrement de traits marqués. Il est un chouïa plus petit que la moyenne, mais pas, c'est pas non plus vraiment, vraiment très marqué. Ok, ça marche. Donc n'hésitez pas à changer sur la fiche, hein, parce que du coup, il y aura les bonus de forme qui se mettront directement hein, par rapport à vos jets. Par rapport à ça, hein, n'hésitez pas à faire ça sur votre fiche. Hein, j'ai vu que ça se faisait de manière automatique derrière. Ouais. Hein. Du coup, alors, eh ben, on va commencer par Zil, hein, du coup, qui va se faire... Un plaisir. Ah, qui va se faire... Et donc, en fait, hein, t'as une main hein, qui vient pour... Mais vu que t'étais en train de te transformer, hein, peut-être que il est surpris, hein, ce Flayel, en fait. Hein, s'attendait peut-être-il pas à voir, finalement, des garous devant lui. Hein, et son coup hein, passe maladroitement à côté de toi. Hein, ok. Et à côté de ça, donc... Bon, j'ai... Hop.
Ou par contre, Zelda, là, tu te fais toucher. Ah ! Je vais pas être contente. Oh non. J'espère qu'il a pas abîmé la robe de Jenny. Hein. Tu peux esquiver. Ok, je fais ça comment ? J'ai un truc d'esquivement. Alors, c'est, si je dis pas de bêtises, dextérité plus... J'ai réflexe éclair. Bah, donc ça rentrera... Ah bah, tu l'as déjà, le coup, ça. Tu utilises ton action pour esquiver, je crois, ou ton point de rage, je sais plus. Ça dépend. Oui, bref, c'est pas grave. Donc, tu fais un mouvement sur le côté, hein, malgré tout, hein, tu sens cette frappe, hein, un peu matérielle, mais pas que, en fait, hein, qui te traverse le corps, hein. C'est vraiment très étrange, hein, quand tu ressens ça, hein, comme un grand froid, hein, quand tu le sens, hein, et tu vois que là la frappe n'était pas forcément physique, ce qu'il a essayé de te faire, hein. Et du coup je vais te demander un jet de volonté. Ouf, ça commence. Oh purée. Où est-ce qu'elle est la volonté déjà? Dans Advantage. Y'a trop de pages! C'est avec rage et tout. Tout en bas de Advantage. Avec Willpower? Willpower, ouais. Oui, c'est ça. Gros défaut. Ouais, c'est le défaut de cette fiche, hein. Elle est très complète. Hein. Ouh, c'est un... Ouais. Clairement, hein, ta volonté ne descend pas, hein, par rapport à ça. Hein. Par rapport à cette frappe, hein. Ça sentit, hein, finalement, hein, comme de mauvais sentiments, hein, qui essaient de t'envahir, hein, mais tu ne te laisses pas envahir par ça. Et vu cette frappe, en fin de compte, hein, je vais même t'accorder un point de rage par rapport à ça. Oh ! Du coup, je récupère celui que j'ai dépensé tout à l'heure. C'est ça, tout à fait. Ok. Ouais. Vas-y, à toi, Zila. Ok, alors je vais dépenser 2 points de rage pour le round. Oui. En premier lieu, je vais mettre... Je peux m'exprimer en quelques mots? Vas-y, je t'en prie. Ok, donc je m'exprime en garou. Et je dis d'une voix rauque, « Hamziz, tenaille !» Et donc je regarde... la pleureuse qui m'a attaqué, et je lui-même à mon action d'attaque, à coup de griffe, acéré. Enfin, pas acéré là, mais bon. Vas-y, tu peux lui faire justement... essayer de la toucher. Alors, c'est claw, c'est ça? C'est un coup de griffe. Les griffes, oui. Oui, c'est ça. Ok. Ouf. Ça, et en plus, c'est 2-10. Alors, oui. Je sais pas si il relance directement les 10 ou pas. Je crois que ça. Crois ça que oui. Ça j'ai l'impression, hein, vu le nombre de dés qui a été lancé, oui, a priori. Ça vaut 2 avec ma trait. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il a pas relancé les 10. Il a pas relancé, il relance pas automatiquement les 10, donc il faut le faire quand il y en a qui tombent. Non, il va le double les 10. S'il n'y a pas de 1 pour les virer ou trucs comme ça, je crois. C'est... Mais seulement quand t'as l'aspect. Oui, mais de base, normalement, en 10, tu relances un jet, non? Bah, il me semblait, ouais. Bon, bref, c'est pas très grave. En tout cas, c'est un jet assez violent, hein. Donc, bah, tu peux me faire les dégâts. Alors, les dégâts, comment ça fonctionne? Alors, normalement, t'as... Force plus 2 pour les griffes. Donc, faut que tu regardes ta stat de force en comptant que t'as un bonus en forme de Krynos. Tu l'as dans tes attributs, la force. Bon, en fait, je pense que si tu cliques sur Aggravated, il te fait le... Oui. Le jet de dégâts. Oui, hein. Il le considère. Effectivement, pardon. D'accord, excusez-moi. Ouais, alors, et je rajoute donc le nombre de succès, c'est ça? Je rajoute les 5 succès? Lance-moi ton jet de dégâts, déjà. Ok, ça marche. Ah oui, c'est d'accord, ok. Il le note. 5 succès. Alors, est-ce que ça a fait quelque chose? Non. Non. Je recommence. Ouais.
Ouf, alors tu donnes en fin de compte un coup de griffe, hein, et t'as l'impression que c'est un, tu vois, que tu passes un petit peu au travers, hein, mais tu sens, hein, que t'as fait quelque chose. En fait, les deux jets ont été lancés, hein, donc je vais prendre le premier, hein, pour le coup, au final. Hein, voilà. Hein, et c'est vrai que tu sens comme un cri déchirant, hein, qui déchire un petit peu votre âme, hein, au moment où tu le frappes, hein. Mais c'est vrai que tu te poses la question, est-ce que t'as fait quelque chose ou pas, mais au final, oui, quand même. Hein. Donc, toi, t'étais sur celui de tristesse. Hein. Donc... Ouais, mais c'est la tristesse qui, je pense qu'on peut se placer, mais comme la tristesse m'a tapé, bah c'est... Bah, en fait, ils ont les mêmes caracs, donc c'est pour ça que je les ai inversés. C'est moi qui les ai inversés, mais c'est pas très très grave pour le truc. Voilà. Pour les G, donc comme ils ont les mêmes choses, hein. Ok. Zelda. Moi, je suis sur la tristesse, hein. Oui. Ok. C'est ça. Ouais, ben, je pense que instinctivement, je vais d'abord commencer par un coup de griffe aussi. Ok, ça marche, hein. Donc, bah, tu peux faire tes dégâts. Du coup, pour le jet de dégâts, tu rajoutes le nombre de succès de l'attaque ? Moi, en fin de compte, hein, s'il y a des esquives ou autres, en fait. D'accord, ok, mais c'est voilà le nombre de succès de base de l'attaque. Parce que là, dans l'input, il demande attaque extra succès. Je dois mettre le nombre de succès que j'ai fait juste avant. Ouais. Les deux. Ok. Ok, donc pareil, hein, en fait, hein, tu vois que tes griffes, hein, passent au travers, hein, mais c'est. Santé, c'est un peu diffus, hein, même pour santé, hein, comme un froid glacial, hein, au niveau de votre main ou de votre patte, hein, selon la forme que vous avez, hein. C'est assez étrange, hein, vous n'avez jamais ressenti ça, hein. En plus, vous êtes dans un monde que vous ne connaissez pas trop, hein, mais bon, vous avez réussi à faire quelque chose, en tout cas, hein. Ensuite, c'était au niveau de l'initiative, je crois que c'était Chad, hein, Oui, exact. Ok, je m'éloigne un petit peu du combat, c'est-à-dire que là, si on faisait un plan, on aurait d'un côté et de l'autre un Flayel. Mm-hmm. Ok, ici, c'est ça. On a autour, on a deux garous que sont Zil et Amziz. C'est ça. Et Zelda, elle est à côté de l'autre Flayel, c'est ça ? C'est ça, en fait. Hein. Et ben moi, je vais me reculer, je vais me mettre sur le côté du Flayel pour potentiellement pouvoir l'attaquer dans le dos. Lequel celui qui est sur le Zelda, du coup ? Celui contre lequel Zelda est seul. Autant faire du deux contre. Ça marche. Deux. Ah oui, c'est tristesse. Ok, donc le Flayel de tristesse. Donc, bah, je t'en prie. Ok. Faire ton attaque. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais comme mouvement ? Bah, je sais pas, c'est un coup là, de là tout ce que je fais, c'est me déplacer pour pouvoir me préparer à attaquer. En fait, je me prépare à attaquer, à assurer l'attaque, en fait. Bah, ça peut être une tenaille. Vu que tu te mets d'un côté Zelda et de l'autre, et c'est au MJ de déterminer s'il réduit la difficulté de 1 ou de 2 sur tes attaques. Bah, du coup, voilà, moi ce que je fais, c'est que je veux juste me mettre en mouvement pour pouvoir faire coïncider les deux attaques, en fait. Ok, ça marche. Donc là, ce coup-ci, tu n'attaques pas. Ça marche. Amziz. Voilà. Est-ce que je peux faire un test, savoir si j'ai entendu la demande de Zil. Je veux dire que je suis pas forcément très réceptif. Vous êtes juste à côté, hein. Ouais. Plus dans l'idée, est-ce que j'intègre ce qu'il me demande de faire ? Pour moi, j'y vois pas d'objection, mais non, c'est à toi de voir par rapport à ton interprétation. Parce que... J'aimerais en fait simplement le contourner, en fait, et me jeter directement sur le Flayel... On passe sur le côté, comme si j'essayais de l'attraper et de le tirer un peu vers le côté, en fait. Donc tu lui fais un coup de griffe, c'est ça ? Enfin, un coup de morsure. Plutôt une morsure, directement, ouais. Bah, je t'en prie, vas-y, attaque. J'essaie de le saisir directement. On peut faire ton attaque. Oui. Donc vas-y, tu peux me faire les dégâts également. Ah ouais. Hein. Il y a eu pas mal de 1, ouais. Ouais. Heureusement qu'il y a eu pas mal de succès. C'est ça. Ouh, ça... Ah, vous... Un enfant. Énervé, hein. Très gros gros. Ok, hein, donc tu viens, hein. Et c'est pareil, en fait, compte, hein, comme dit, ta mâchoire qui claque, en fait, hein, un peu
cette forme un peu vaporeuse, hein, pas vraiment physique. Hein, donc, tu n'arrives pas forcément à le tirer comme, comme, comme tu souhaiterais le faire. Hein, et tu sens ce glacial hein, au niveau de ta gueule. Hein, mais ressentez hein, que c'est, ça lui fait quelque chose, hein, clairement. Alors, comme si on attaquait une sorte de forme un peu éthérée. Voilà, c'est ça. Moitié palpable. Ok, donc... Alors, du coup, alors celle d'avidité, elle va essayer de refrapper Zil. Ok. Là, je ça passe. J'utilise donc mon point de rage pour esquiver. Pour faire une tentative d'esquive. Alors, c'est où l'esquive? Je suppose que c'est en combat. C'est dextérité plus athlétisme. Ah, c'est dans les compétences en gros, excusez-moi. Bah, c'est dextérité plus athlétisme, hein, voilà. Hein, tu peux faire une macro, soit faire le truc direct. Spécialisation. Peu importe. Esquive éclair, je sais plus comment ça s'appelle. Esquive éclair, ça vous fait quoi? Ça vous baisse la difficulté, c'est ça, c'est, pour l'esquive? C'est... Non, c'est pour... par exemple, si on fait cette esquive, les 10 comptent double si on réussit. D'accord, ok, ça marche. Sauf quand il y a un 1, il prend le 10 automatiquement. Alors, tu m'as dit dextérité plus... Athlétisme. Athlétisme. Ok. Modificateur, je n'en ai pas. Spécialisation. Yes. Ah, cool. Tout juste en fin de compte, hein, c'est vrai que t'as un mouvement de recul hein, et tu vois que sa main griffue hein, qui passe juste à côté de toi, hein, faisant finalement vibrer par le mouvement de l'air hein, les poils justement de ta fourrure. Hein, et donc maintenant ça va être au tour de l'autre, toujours sur Zelda. Yes. Et c'est vrai que peut-être que l'arrivée de Chat sur le côté hein, l'a un peu déstabilisé et ça fait que t'as même plus eu besoin de faire un mouvement hein, et t'es resté en plus hein, avec la volonté que t'as eue tout à l'heure hein, t'es resté solide sur tes appuis en fait hein, au moment où justement il vient te frapper. Et oui, on salue la poésie de MJ pour la conscience. c'est douloureux. Donc vas-y Zil. Ok, je remets donc avec mon dernier point de rage une attaque sur lui. Vas-y. Est-ce que j'ai... Non, vas-y. Bon. Alors, hop. Est-ce que tu as... Non, je me disais, est-ce que finalement, Amzis, comme il est sur le côté, ça donne des modifications? Bah, il a pas vraiment compris ta manœuvre, hein, j'ai l'impression, hein, vu qu'il l'a attaqué en même temps. Je le battrai. Ça, ouais. Alors, je vais m'attraper. Tu lui mettrais la fessée. Et les 10, c'est, donc ça compte double si j'ai pas les 1. Donc là, j'ai pas d'échec. Donc c'est 5. C'est ça. Donc tu as fait 5 succès, hein, donc ça touche hein, sans problème. Tu peux faire tes dégâts. Yes baby. Bah tu punch it all day long. Y a plus de musique ou c'est juste chez moi? Alors il y a toujours la zik hein, On n'est plus. Alors maintenant attends, je vais la couper, la remettre parce qu'en général ça revient chez toi Hop là, je l'ai coupé. Oh là, mais cette chatte des PJ quoi. Alors hop. Bah, pas tellement. Je viens de la remettre. C'est bon, t'as la zik? Je veux dire, quasi la moitié qui touche. Ouf. Oh, mais ce G. Je te rappelle que le mec, c'est pas seulement un loup-garou, c'est un engin de démolition personnifié, tu vois. Donc, à un moment donné. Ouais, c'est un petit peu ça. Hein. Tu vois que ça, c'est un cri de douleur assez déchirant, finalement, hein, qui fait vibrer directement votre âme hein, au moment hein, où ça. Et a priori, il est pas jouasse, hein, clairement. Tant bien, nous non plus. Zelda. Pardon. Zelda va tenter le coup de dague. On va voir si ça. Elle a des donc pouvoirs là, c'est particuliers. Avec mêlée, en fait. Ok, et en attribut, c'est dextérité ou.
Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que du coup... Ah. Est-ce que du... Attends, mais du coup, il y avait rien. Ouais. Ah, alors là, c'est... ouais, je pense qu'il s'est pas fait étanger, donc. Olshad. Oui. Est-ce que du coup, tu considères que mon mouvement de tout à l'heure me permet de l'aider dans cette action? Oui. Ou est-ce que j'attends mon tour? Oui, oui. Du coup, ça baisse de 2 la difficulté, mais je vois que ça change rien vis-à-vis de CG. Voilà. À ce compte-là, j'aimerais faire en sorte de maintenir, de passer dans le dos, donc de, enfin, ou de maintenir le flyel, selon ce qu'il m'est possible de faire en fait. Alors j'ai pas compris, là il y a eu 3G là. Alors le premier était raté, il y avait rien. Le deuxième c'était l'attaque. Non, le deuxième il y avait rien. Il y avait pas de dé de lancer. Le deuxième, en fin de compte, c'est... Hein, ensuite, en fait, t'as lancé. T'as combien en dex? Alors, oublie le premier. Il y a le premier où c'est l'attaque et le deuxième, c'est les dégâts. Ah d'accord, t'as fait directement les dégâts, moi je te les demande. Ah, désolé. C'est quelle page ton fétiche? C'est quelle page ton fétiche? Ils sont page 221 à partir de là. T'as pas noté la page? Non. Alors, c'est la dague de la vengeance, hein, je crois, c'est ça. Hein. Dague des représailles? Dague des représailles. Page 223. Hop, dégâts égaux, force, difficulté 4. Donc je sais pas ce que t'as lancé, 3 là, t'as 3 en force. C'était... Non, c'était les 3 succès en fait. C'est que ta macro pour les dégâts est pas complète. Ouais, okay. Là il te manque... Donc faut que je repasse coches... alors. Faut que tu coches le A de string, si tu mets ta force dedans. Ok. Et c'est difficulté 4. Je crois que je peux pas changer par contre la difficulté des dégâts. Attaque, difficulté. Ça c'est pour l'attaque, mais c'est pas pour les dégâts. Ah. Tu peux pas changer ça par contre. Ok. Ah ouais, c'était dommage. Elle est compliquée cette fiche. C'est la première fois qu'on s'en sert aussi pour le combat. Voilà. Donc, Mais t'as pas que 3 en force. Bah pourtant. Voyons voir. Ah, c'est que le succès en plus. Hein. La en force, elle force est pas j'ai... Bah, j'en ai 3 qui sont cochés, c'est tout. Hein. Et t'as combien en force? 3. C'est indiqué en 3 de cocher. Bah oui, mais t'as plus 4. Non, t'as plus 2 hectares. Donc normalement, tu dois lancer 6 dés pour la force. Je me permets juste un test. Ah, du coup, il suffit pas de juste cocher add strength. Bah normalement, si, je suppose que c'est. Je me permets un test. Hein. Bah normalement, si. Moi, j'ai juste coché force et. Mais t'as bien cliqué sur le deuxième dé côté damage, ouais. Hein. Bah oui. Ah ouais, c'est marqué deal damage. Bah là, il t'a pas compté la force. Bon bref, c'est pas grave, lance 5 dés directement, ça ira plus vite. 5 dés 10. Ouais. Voilà. Donc ça fait 1, 2, plus les 3, donc ça fait 6. Tu vois que là... La lame, en fin de compte, hein, tranche dans le flyel, hein, et ça ne lui fait pas du bien, clairement. Ça a l'air vachement plus efficace que les griffes, en fait. pas la même chose. Non. Il faudra que tu apprennes à utiliser ta dague aussi. Mmh. Elle a d'autres avantages. Oh. Pardon, donc pour ce petit truc, et puis ça on verra côté technique plus tard. Shad. Du coup, j'ai pas pu faire l'action que je te disais que je faisais, mais c'est pas grave, y a pas de souci. Si, 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 mais du coup, donc tu passes derrière toi, c'est ça? C'est pour, ça. Et maintenant que je suis derrière, j'ai fait mon action précédente, du coup. Ok, donc tu t'es déplacé, du coup, ça diminuera la difficulté de 2 pour Zelda, parce que tu vois que. Elle essaie de se retourner, hein, parce qu'elle t'a vu passer, hein, ce qui a déjà aidé, et tu vois que Flyel s'est pas forcément regardé, là, entre vous d'accord. Deux. Il est pas serein. Amziz. Okay.
Moi je vais si possible faire genre un petit bond sur le côté pour passer derrière le flyal et rejeter dessus pour remettre un coup de croc. Bah vas-y. Peu. Hop là. Tac tac tac, il est ici. Ouh, c'est pas ouais, c'est pas fou. C'est pas grand chose hein. Ouais. Hop là, mais ça rajoute, ça part comme là-dessus. Donc ça charge. Loading attaque. Allez. Ouais, des fois ça met du temps. Hein. Des fois ça galère un peu, zep le rythme. Ouais. Voilà. Ah c'est samedi soir, à mon avis, il y a beaucoup d'autres gens qui sont sur une table. Hein. C'est possible. Hop là. Ok. Je vais lui choper les jambes s'il en a. Ou bien. Mordre en fait, les mollets violemment. Au moment où tu essaies de le mordre, tu vois que lui essaie de s'enfuir en fait, hein, mais que finalement il est retenu. Hein, vous pensiez pas hein, avoir quelque chose de physique, hein, mais tu le retiens malgré tout hein, parce que tu vois qu'il essaie de. Il est clairement en train d'essayer de fuir. Ok. Le second, par contre. Hein, alors, un peu perturbé par la présence de Shan, hein, mais bon, là, ça fait deux fois qu'il se fait frapper quand même par. Mais il est trop perturbé hein, par la présence de Shan, hein, et du coup, il sait pas, et tu vois que maladroitement, à nouveau, hein, il essaie de frapper Zelda, hein, mais sans succès, hein, c'est le cas de le dire. Et du coup, bah, Zil, hein, tu vois que celui qui est devant toi qui essaie de fuir, hein, et que. Amziz est en train de retenir. Donc là, si tu le frappes, ce sera avec un moins d'eau en difficulté. Ça marche. Je voulais te demander au Chad, est-ce qu'on gagne un point de rage par tour Je sais pas comment ça se passe. Genre de combat d'adrénaline ou... Bah là, vous vous êtes pas fait frapper, en fait. Hein, surtout ouais, si non, vous recevez des dégâts. Donc non, là, pour le coup, non, pas forcément. Et bah, j'avance tel un prédateur devant lui en grognant. Et je lui plante mes griffes... dans ce qui lui reste de tête avec ses couettes. Ah non, avec son chapeau. Vas-y. Ses couettes. Tu te trompes de personne, tu te trompes d'adversaire là. C'est pour plus tard le combat pour savoir qui est l'alpha. Hein. C'est pas maintenant. Bah, elle a pas de couette, Zelda. Elle a une grande natte. Des nattes, non. Une ou deux, je sais plus. Ok, moins deux. Ok. De grotte. Ah bah heureusement qu'il y a le moins 2 hein, je crois. Ouais. Ça en rajoute 2. Ouais, donc vas-y, tu peux faire les dégâts. 3 pardon. Il y a 2, 5 et 1, 4. Ouais, il en a compté 4 hein, malgré tout, donc 1, 2. Il... Ouais, c'est bizarre. 4, 5, 6, 7. Ah ouais, pourquoi? Pourtant j'ai baissé la. J'en ai 7, bon bah ok. Bon bref, ouais, vas-y. Hop, ça va pas changer grand chose hein, parce que je pense que c'est pas la peine que tu lances les dégâts. En fait, tu viens et tu te frappes avec ta patte griffue hein, dans le ce qui sert de tête finalement à ce flyel hein, et tu vois qu'il disparaît en fin de compte hein, dans une volute de fumée. Un peu comme ça, hein. Non mais c'est bon, j'ai dit que c'était pas la peine. Et encore, avec tes 7 succès, finalement, t'as pas fait un super G, hein. À 8, ça va, hein. C'est presque la moitié. Toi qui mets une minute. Il se dissipe brouette, ouais. En fin de compte hein, dans l'Umbra. Zelda. Bah, vu que j'ai remarqué que la dague nous est particulièrement mal, je vais la lui planter dans le crâne. Ok, vas-y. Donc tu peux faire les dégâts. Ok, du coup là ça fait combien de dés pour ça? Bah c'est ta force avec une difficulté de 4. Donc tu lances... Tu m'as dit que t'avais combien en force? 3, donc tu lances 5 dés. Plus les succès, non? Oui, mais là pour l'instant. Oui. Bah, déjà lancé 5D.
Mais pas les MZs avant les bœufs, s'il te plaît. Hey! Ouh. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc tu vas, hein, tu frappes en fin de compte hein, la créature hein, au niveau du crâne. Hein. Toi d'ailleurs, hein, tu vois même la dague repasser de l'autre côté, hein, Chad. Un peu mais trop malgré près. Tout, elle se dissipe pas. Elle ne se dissipe pas encore. Hein, Sérieux? Bah ouais. Go Chad! Tu vas te crever, sale bête! C'est à moi? Oui. Ouais. Eh ben là, moi, je me jette sur son dos, les mains en avant, dans l'optique d'appuyer sur ses épaules pour que la dague qui reste là va. Vas-y. On le découpe. Qu'est-ce que tu me demandes comme jet? Bah, du coup, ça va être. Alors attends, parce que je crois qu'il y a déjà des trucs de base, hein. Playable, hein. En tout cas ça va être dextérité plus bagarre, hein. Donc peu importe. Dextérité bagarre. Voilà, c'est ça, hein. Avec une difficulté okay. de 5. Dextérité plus bagarre. Dextérité plus bagarre, mesdames et messieurs, c'est le moment où on va lui casser la gueule, la visage et l'auto de bavier. Difficulté 5, donc c'est parti, et c'est un jet de dés, lui casser la tête. Pour être précis. Ok. Donc, bah, tu peux me faire les dégâts. Donc, force, sachant que je te rajoute encore deux. Content, là. Ouais, mais ça lui fait quand même des dégâts, hein, parce que tu l'écrases, hein. Et comme dit, je te rajoute encore deux succès. C'est ça, c'est la dague en fin de compte qui lui ressort okay. Par l'autre côté. Ok. Du coup, c'est quoi comme jet que tu veux que je fasse? J'ai de force plus 2. Damage, paf. Force plus 2. Sachant que t'es en crinose, donc t'as plus 4 en force. Hein, pour ta forme. Alors, si jamais. Oui, oui, oui. Attends, là, si je fais damage. Attends, je vais juste faire un jet pour rien, là, pour voir ce que ça donne. D'accord? Vas-y. Vas-y. Pas. Attaque extra succès. Combien j'ai de succès? Oh, pour l'instant, je pas encore. Ah bah non, mais attends, c'est bon. Ils sont ici. Tu les veux en comment? Peu importe, hein, il te faut qu'un seul succès pour que okay. pour que tu le finisses. Hein. Donc on va pas, difficulté 5, hein. C'est ça? Ouais, c'est ça. Difficulté 5. Alors attends. Tac, excusez-moi, hein, je suis confus. Je suis Confucius. Paf. Et j'ai combien de succès tu m'as donné? 4. Wow. Ok, donc tu l'écrases en fin de compte, hein, et tu vois que il se diffuse sous tes pattes hein, au moment où tu l'as écrasé. Le calme revient là où vous êtes, hein, justement. Alors que c'est dans. Univers hein, qui est une première hein, pour certains d'entre vous hein, où vous voyez hein, vraiment cette terre désolée en fait hein, et bah, toi Mziz hein, tu sais que ça veut dire que finalement quand bien même s'il y avait eu des esprits hein, des arbres aux alentours ou autres hein, le fait que tout a été rasé, tout a été détruit dans le monde physique hein, ça a tout détruit dans le monde des esprits et ça remplit peut-être ton cœur de tristesse hein, de voir ça, hein, de voir cette plaine désolée dans l'Umbra. Hein. Parce que c'est bien la première fois que tu vois ça, justement. Hein. Ouais. Tu vois, connu la nature, donc là. Voilà, hein, ressentez hein, clairement la corruption du ver hein, qui se répand dans cet endroit. Une petite question, j'arrive à me repérer dans l'Umbra par rapport au monde réel. Enfin, vu que c'est à peu près une image, je serais me rediriger vers chez Zil ou vers le 7. Oui, tu pourrais. Hein, je crois que je sais plus s'il y a un don, un truc comme ça pour ça, mais on va dire que je te demanderai un jet de par rapport à ça, mais oui. Donc tu penses que tu serais. Ok.
Parce que du coup, vu que je voyais plus personne, je vais essayer de m'approcher du coup du fétiche qui a été corrompu. Il y a toujours les chaînes? Oui, oui. Les quatre chaînes sont toujours là. Je me remets en obidé. Ok, je vais pas te demander de G hein, pour ça. Je peux tenter de passer la dague genre sur les chaînes, voir si ça fait quelque chose. Tu passes la dague, hein, en fin de compte, hein, et ça fait un bruit de métal contre du métal, hein, mais ça ne lui fait rien en particulier. Hein. Touche un peu le fétiche du bout du museau. Je ressens quelque chose de particulier, c'est douloureux. Au moment où tu mets ton museau sur un fétiche qui est en argent, en fin de compte, hein, tu ressens une extrême brûlure. Hmm. Ça te brûle, hein. Tu te retires directement, hein, t'as mal. Hein. T'as vraiment très mal. D'ailleurs, tu peux te mettre une blessure aggravée. Ouf. Oui. Faut pas toucher de l'argent. Non. Pas toucher, Zil, pas toucher. Je sais plus si on l'avait regardé ça, mais les chaînes auxquelles est attachée la coupe mène dans des directions en mode vraiment c'est au carré, ou est-ce que ça envoie des directions particulières qu'on pourrait c'est douter, ça, où est-ce que ça mène Paul d'araignée un peu. Alors pour essayer, bah tu peux me tenter un G. Qu'est-ce que ça pourrait être hein, par rapport au fait connaissez un petit peu la région. Donc de la perception ou de l'intelligence éventuellement avec, on va dire... Peut-être investigation... Ça peut être vigilance... Pas investigation. Survival éventuellement, ouais. Parce que c'est pour justement te repérer en fait. Je pense que okay, survival donc, c'est pas mal. Intelligence ou perception? Bah en fait la perception, en fait ça va dépendre de comment tu essaies de repérer, si tu fais appel à ta mémoire ou pas. Si tu fais appel à ta mémoire, je vais te demander de l'intelligence. Si c'est plutôt en fait quand tu essaies de te repérer par rapport aux points cardinaux, ça va être de la perception en fait. Intelligence. Intelligence, okay. Et donc tu m'as dit survie, c'est ça? Ouais. Ah bah ouais, pour essayer fort. De okay. Trouver difficulté... finalement les... Difficulté normale, 6. 6, très bien, c'est parti. Se repérer de mémoire. Je vais reprendre forme humaine, du coup. Pareil. Ok, ça marche. Ok. Donc pour ça, il y a juste Chad qui restait en... Crinos. En tant que. Chad fait 3 réussites, pardon. Alors, 3 réussites, bah c'est pas mal du tout. Hein. Donc, tu arrives à définir en fait hein, qu'il y en a un qui va a priori vers le lac, qui est aux positions nord-ouest de votre position. Et les autres, en fin de compte, hein, bah, y en a un qui va en gros. Celui que. Je pense que vous avez suivi, voilà, celui qui va par là, qui est indiqué à l'heure actuelle. Donc, celui qui va par là, c'est celui que vous avez suivi, en gros. Ouais. Il y en a un qui va par là. Ok, ça, c'est celle qui va vers le lac, ok. Voilà, toi, tu penses que ça va vers le lac. Un qui part par ici. Et un dernier qui part par là. Okay. Donc un peu, voilà, nord-ouest, sud-ouest, nord-est et sud-est. Avec des grandes largeurs. Mais c'est-à-dire, ça désigne pas quatre points qui sont vraiment à des angles précis. Non, c'est pas, ça suit pas, tu veux dire, il n'y a pas un angle de 90 degrés entre chaque, hein, voilà, hein, c'est plus... Je peux en déduire qu'elles se dirigent vers quelque part. Oui, sûrement. Vraiment, il y a des endroits précis vers lesquels elles se dirigent.
Bah, au vu des informations que vous avez données à Mziz, hein, celui que vous avez remonté, finalement, venait d'une clairière hein, où vivait un esprit. Comment pour les libérer ? C'est une excellente question. Je vais essayer de... Je vais être con, hein, de me retirer des vêtements et d'essayer d'attraper le fétiche avec des vêtements... Je vais juste terminer pour vous rappeler, hein, en fait, hein, vous avez déjà eu cette conversation-là lors de la dernière séance. Hein, pour nettoyer le fétiche, hein, soit il peut y avoir, vous pouvez utiliser un rite en fin de compte hein, pour nettoyer. Bon, bah, aucun de vous n'en maîtrise. Hein, ou détruire le Flayel qui lui est lié. Ça veut dire que les deux Flayel, eh ben, c'était pas eux qui étaient reliés à ce fétiche. Non, mais... Savons-nous comment se faire sortir un Flayel d'un fétiche ? Je tapote dessus avec la dague. Allô ? Et ça fait un bruit métal contre métal. Hein. Ding, ding, ding. Les chaînes, est-ce qu'on peut les toucher ou est-ce qu'elles sont éthérées ? Alors, elles ont une certaine forme physique hein, dans l'Umbra. Elles sont pas en argent, elles. Non, elles sont pas en argent. Et ça fait comme des grosses chaînes, hein. C'est la belle chaîne de bateau, hein. Ah oui, c'est genre le maillon qui est gros comme voilà, ça. Voilà, c'est ça, hein. Ça fait de la belle chaînasse, quoi. Ah oui. Hein, ok, ouais. D'accord. Ok. Donc, vous voyez Mziz, hein, qui est en train de retirer sa veste, hein, parce que donc, c'est ce que tu m'as dit, hein, et qui commence à mettre sa veste sur au niveau du fétiche. Et donc, tu prends le fétiche, c'est ça ? J'essaie, du coup, de le prendre au travers, effectivement. Bah, tu le soulèves sans problème. Ok. Du coup, je me retourne un peu le reste. Retour au 7. Je repère, du coup, bah, la chaîne qu'on avait suivie. C'est une bonne direction. Celle qui part, du coup, vers le sud-ouest. C'est surtout la seule que j'ai repérée, moi, de base, donc... J'essaie de juste repérer laquelle c'est pour pouvoir remonter facilement. Je commence à remonter du coup la chaîne. C'est de la résistance par rapport aux autres chaînes, non ? C'est-à-dire que ça fait de la résistance, c'est-à-dire ? Parce que je sais pas, il y a quelque chose de l'autre côté, donc... Est-ce que ça me bloque ? Tirer quelque chose ? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de mouvement dans les chaînes, hein, à part... Vous voyez, c'est cette espèce de pulsation verdâtre, hein, en fait. Hein, Mziz avait réussi, il pourrait vous le dire. Hein, c'est, a priori, c'est en train de pomper l'énergie des esprits. Et est-ce que c'est prudent de ramener ça au 7 parce que, est-ce qu'ils vont pouvoir le retrouver ou même nous retrouver nous ou, je sais pas. Si nous, au 7. Nous revenir directement monde. C'est la notion de monde réel m'échappe complètement. Mais tu peux faire un jet de perception et de vigilance. On est toujours dans l'Umbra, on est d'accord. Vous êtes toujours dans l'Umbra, ouais. Donc perception, vigilance, hein, alertness, hein, pour rappel. Ah, quelle difficulté d'ailleurs ? Normal. Donc, quand je ne dis rien, vous restez sur la difficulté classique, hein, donc de 6. Je vais faire query tout le temps, comme ça... Zil, c'est tu bon. N'as pas fait ouais, je... Je cherche vigilance... Alertness. Alertness. Tac... J'ai deux réussites, pas une, deux. Ok, bah ceux qui ont au moins fait deux réussites, donc je crois tout le monde à part Zil, vous vous sentez observé. On n'est pas seul. Quelqu'un. Je fronce les sourcils quand tu dis ça et je regarde autour de moi.
regardez autour, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment, vraiment totalement désert. Hein. Seule chose que vous pouvez remarquer, hein, c'est la lune dans le ciel. C'est quelle lune d'ailleurs ? J'en ai toujours la même, hein, donc c'est le croissant, hein, il me semble. Ok. On a mis le lien. C'est la lune du Théurge. C'est ça, bah oui, c'est la lune de Hamziz. C'est ça. Peut-être pour ça qu'il était un peu énervé aussi, qu'il avait du mal à reprendre sa forme dominée. Du coup, je m'arrête hein, quand je sens cette impression du coup de d'être scruté un peu. Si on résume bien, les gars, on a cet objet fait d'argent qui apparemment est en train de pomper l'énergie de différents sites ports en esprit, c'est ça ? C'est ça. Là, je parle avec les gars, hein. Je parle avec les... je te fais un bruit de la tête. J'inquiète. Ok. Je suis d'accord avec Zelda, on ferait mieux de ne pas l'emmener au 7. Trop dangereux. Quelle est l'option ? Cacher. Cacher fétiche. Question MJ, est-ce que le flyel qui est associé à l'objet se trouve dans l'objet ? Ou est-ce qu'il peut être n'importe où, mais quand même connecté à l'objet ? Je pense que c'est lui qui nous observe. Il peut même être dans le monde physique. À la rigueur, vu ce que t'as entendu, et pareil pour Hamzi, vous pouvez me faire un jet d'intelligence et on va dire occultisme pour ce genre de choses, ou peut-être. Ouais, je pense que c'est ce qui se rapporte le mieux. Difficulté 6 toujours ? Pour ce qu'on nous a enseigné là-dessus, voilà, c'est ça ? C'est ça, pour savoir ce qu'on vous a pu vous enseigner par rapport à ça. Alors, ça fait un succès, hein. Ben voilà, vous pouvez juste savoir qu'il peut être dans le monde physique, mais c'est tout ce que vous savez. Je vous donnerai pas d'autres informations avec un seul succès. Les gars, on est 4 louveteaux. Sans vouloir te manquer de respect, Zil. J'acquiesce. Je pense qu'il serait préférable, maintenant qu'on a cette information, qui n'est pas une information banale. On a un objet qui apparemment est en train de pomper les forces. On devrait retourner au 7 et demander à John ce qu'il faut faire de mieux. Il faut s'assurer que cette merde arrête de pomper les forces. À nous seuls, peut-être qu'on pourrait y arriver. Mieux vaut être sûr. Et ces deux flyels qu'on a affrontés là, on a réussi à les vaincre, il n'y a pas de problème. Et un truc qui arrive à pomper l'énergie à une telle distance des sites... Où sont les esprits ? À mon avis, c'est une autre moutarde. Pas le laisser là-bas. Tu veux pas le laisser ici, cet objet ? Non. Si John peut détruire le fétiche, que le cacher. Plus facile de le retrouver. Mais même si on le cache, le truc qui est relié, il va le retrouver, non ? Les gars, voilà ce que je propose. On est toujours dans l'Umbra. On devrait pouvoir s'éloigner et se rediriger en direction du... En direction du 7. L'un de nous va au 7, prévient les autres. Et on revient ici avec Jésus qui s'occupera d'effectuer les rites nécessaires. Rester dans l'Umbra trop longtemps, ça ne me plaît pas. On se sent observé là. Je me demande si l'observation, elle vient de l'Umbra ou s'il n'y a pas un esprit qui nous observe depuis le monde physique, entre guillemets, et qui nous attend, qui attend qu'on ressorte directement dans cette cave. Eh bien, je l'attends. Et pas tout seul. Ça nous en fera plus. On peut rejoindre la forêt. À savoir je suis retourné dans le monde depuis forêt.
je pense que t'en es conscient, Chad, hein, si tu reprends ta forme dominée, bah toi, t'as plus de chemise, hein. Totalement déchiré, hein, donc... Bah, je l'avais pris large, justement, ma chemise. Ouais, mais... C'est forme crinos, quand même. C'est... Voilà. Pas bien, j'ai plus de chemise. Voilà. Parce que là, tu m'as dit que t'étais resté en crinos, hein. Tu m'as pas dit que t'avais... Ouais, y'a pas de soucis, ouais. Dominée, hein. Ouais, ouais. Ah ouais, y'a pas de problème. Ce qui, pour toi, est une forme naturelle, hein. Donc... Ouais, bien sûr. Eh ben, je vais me mettre du... Mais attends, c'est pas la même chose pour Zelda ? Non, moi j'étais en Elle est pas... Elle est pas passée en Krinos, justement. Je voulais pas finir à point, là. Bien joué. Malgré qu'il y a une certaine assistance de certains joueurs. J'avais pas entendu... mais les gars, calmez-vous. J'avais pas entendu ça. Je croyais qu'on était tous passés en... Pardon, excuse-moi. Ok, d'accord. Bah écoute, moi je sortirai sans chemise alors et je vais sortir un petit baratin quand même encore. Ouais, je suis d'accord avec Amziz. Il faut qu'on le prenne avec nous et qu'on demande conseil à John. Il ne le fera pas, mais il nous dira comment faire, puisque c'est notre épreuve. Notre épreuve, c'était de trouver des informations, pas de ramener un artefact. Ne laisse pas le fétiche ici. On va dire qu'on est zélé. On l'emmène à mi-chemin et pour le sortir d'ici et on va chercher quelqu'un au 7. C'est l'idée. En tout cas, bravo pour votre combat. Vous êtes de braves guerriers. C'est pas en reste. Qu'est-ce qu'on retourne vers la forêt depuis l'Umbra ou est-ce qu'on revient dans le casino et on sort Umbra. Plus facile. J'acquiesce. Mais on sort dès qu'on peut, Amziz. Je passe pas ma vie dans l'Umbra. Allez, on y va. Donc, vous suivez Amziz, hein, le plus habitué finalement à l'Umbra. Son idée, donc, c'était justement de suivre la chaîne, hein. Alors, rapidement, en fin de compte, vous arrivez en fait aux abords du lac, hein, et là, le lac a une forme dans l'Umbra. Ah. Et donc, oui, le lac a une forme, hein, parce que le lac est ancien, hein, vous avez expliqué, hein, et vous voyez la chaîne, par contre, qui passe sous l'eau. Ouh. Vous avez dit, c'est pour ça que vous aviez suivi, c'est pour ça qu'Amziz avait suivi le bord du lac, hein, donc... Du coup, on suit le bord, hein, effectivement. Hein, voilà. Donc vous suivez le bord, hein, vous continuez à avancer, hein, et vous arrivez... par là, ce niveau-là. Justement, ce niveau-là, à peu près, hein, la chaîne qui ressort de l'eau. Et donc, continuez à la suivre, hein, parce que, de mémoire, c'était dans cette zone-là à peu près, à la louche, hein, je crois. Hein, cette zone-là, ouais, à peu près, je me balade un peu par là. C'était par là, hein. Je crois que les chalets sont dans ce coin-là. Je pense qu'on s'est assez éloigné du casino, on peut sortir là. Je pensais m'arrêter par là, effectivement. Du coup, effectivement, dès qu'on passe, voilà le petit repincement du coup de terre. Oui. On est déjà, je pense, revenu dans une sorte de forêt, dans un milieu forestier. Oui, parce que là, vous voyez, hein, les arbres, hein, plus anciens, hein, qui ont vraiment une forme, hein, dans l'Umbra. Hein, donc, même si vous voyez que certains sont un peu tordus, en fait, hein, un peu déformés. Peut-être que corruption, hein, dans la région, hein, qui commence à s'étendre, hein, et qui commence à se faire ressentir à cet endroit-là. Hein. On a toujours cette impression d'être observé tout le long du trajet. Ouais, j'allais me poser la question. Quand vous vous éloignez, comment ça, bien vous éloigner, non. Okay. Vous perdez cette sensation. Je voulais demander par information, il y a des blessés. Non, vous n'avez pas. Zelda a pris un peu, je crois. Non. Bah, non, elle a pris. Parce que c'était pas physique. D'accord, ok. Enfin, si, il y a moi, du coup. Toi, par vous voyez finalement vous voyez que au niveau du nez en fait, hein, sa forme obidée, vous voyez qu'il a le nez qui est cramé en fait, hein. Voilà. Merde. Je vais jamais arrêter de faire des conneries.
C'est un peu dans mon flash, je crame le soleil. Bon, son pif rouge, c'est votre Rudolf. Je vais toutes les faire, les conneries. Et donc, non. Une fois que vous êtes éloigné, vous ne sentez plus, vous ne vous sentez plus observé. Ok. Donc, t'avais un truc à dire encore, excuse-moi. Ben non, mais je vous disais juste, si vous vouliez repasser dans le monde physique, demandez le même jet à Abziz, hein, qui va vous guider à travers les boulets. Ce gnose, hein, c'est ça. Mais ouais, oui, c'est ça. Je t'en prie, Chad. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, je voulais attendre qu'on soit dans le monde physique, puisqu'on ne se sent plus observé. Mais c'est à partir du monde physique que je dirais quelque chose. Donc vas-y, tu peux me faire ton jet de gnose. C'est en courant. Sans problème, hein, t'arrives à faire repasser tout le monde. Hein, donc, sensation hein, finalement, hein, de comme si vous passiez une membrane, hein, mais pas vraiment physique. Hein, c'est assez étrange. Hein, et, ma naissance. Le monde, hein, qui, ce monde miroir, hein, parce qu'en fait, hein, vous regardez dans un petit miroir que Amziz a, hein, c'est un pendentif qu'il a, hein, et vous regardez en fait compte, hein, et puis quand vous relevez les yeux de ce miroir, hein, vous êtes revenu finalement dans le monde physique, hein, c'est-à-dire vous vous retrouvez donc un peu éloigné de la route, hein, ce que vous m'avez dit, hein, donc en gros ici, en pleine forêt finalement, hein, vous vous trouvez pris par le froid d'une part, hein, vous ressentez ça, la neige qui continue de tomber, hein, et en pleine nuit, vous êtes revenu dans le monde physique. Qui va jusqu'au 7? Je peux y aller en voiture. je préférerais que tu restes ici, Zil. Amziz, est-ce que tu te sens capable de courir jusqu'au 7 et de les prévenir? Je fais un signe de tête et... Je ne laisse pas Amziz seul. Je t'explique, Zil. Il n'est pas impossible que les mecs... Je ne peux pas le laisser. Je t'explique. Il touche un truc et il se crame le nez. Je suis en train de me transformer en loup en attendant, hein, pendant qu'il s'écharpe. Ouais, non, mais je t'explique. Le truc, c'est que Amziz est habitué à être un loup dans la nature. Il est tout à fait capable de se repérer dans la nature. Toi, t'es un mec qui est capable de défoncer la gueule à des saloperies. Les saloperies, il est susceptible qu'elles reviennent nous voir. Je préfère qu'on soit trois autour de ce fétiche, de ce truc, de ce machin, en attendant qu'il y ait des connards qui viennent nous emmerder. Amziz, il ira beaucoup plus vite tout seul. Il pourra traverser la forêt à pied. Je connais pas du tout les lieux. Il vient d'arriver. Non mais je sous-estime pas non plus. Toi, je suis en train de essayer déjà de me repérer par rapport à peu près là où était le 7. Donc on se forme le plus du coup. Demander un jet de perception et d'animal ken, hein, pour ça. Pour le coup, si la plat. Du coup, si c'est perception, j'ai un bonus en lupus. Je sais pas si tu prends en compte du coup. Ouais, je prends en compte. Hein. Okay. Je crois que tu baisses la difficulté, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est moins de. Donc, tu auras une difficulté de 4. Alors, ça fait 1, 2. Tu arrives à. Je n'attendais pas énormément de succès, donc oui, t'arrives à trouver. Du coup, je gratouille un petit peu, du coup, je monte bien une direction à tous, hein, pour indiquer du coup un peu dans la direction dans laquelle c'est. Et je te dis, s'il y a quoi que ce soit, tu hurles. Je fais juste un petit signe de tête. Et tu ne te laisses. Petit jappement affirmatif. Et je m'élance du coup. Bah comme pour quand j'étais parti en fait pour leur montrer la direction là, quelques heures plus tôt, on va dire, je pars en direction du 7 en cavalant comme un dératé. Ok, ça marche. Hein. Bah, ça te fait peut-être même du bien, hein, de courir comme ça dans la nature. Je me sens enfin chez moi. Est-ce que tu colles ton nez dans la neige pour soulager ta douleur? j'en profite. J'en ai profité de temps en temps pour m'arrêter, genre, retrouver un peu, puis ah, ça fait du bien, je me roule un peu dedans, tu vois. Ah ouais, des arbres, des feux, tout ça. Après, je repars.
Des petites pauses sur la route, c'est ça. Ok, mais ça mignon. Marche. Attends, mais il n'y avait pas un truc du genre, quand t'es pas dans ta forme de base, l'argent, tu guéris mieux de base ou je sais pas quoi? Là, c'est ça fait malgré tout une blessure aggravée. Hein, Ouais. Mais de toute façon, il peut récupérer de cette blessure. Oui, bien sûr. Ouais, c'est plus long que le reste, c'est ça, c'est tout. C'est... Ça sera soit plus long, soit il lui faudra une aide extérieure, comme quelqu'un qui connaît le toucher de la mer, tel que John. Toucher de la rhum. On touche pas les darons. C'était les gars. Des trucs de soins un peu plus puissants, John. Donc. Du coup, ouais, je cavale en laissant mes trois compagnons veiller au grain près du fétiche. Ok, ça marche. Hein. Donc tu pars hein, vers laissant tes trois compagnons. Hein, donc vous avez laissé le... Je sais pas, quelqu'un d'autre porte le fétiche, du coup. Je pense qu'on l'a posé par terre. Il y a encore ma chemise dessus, hein, parce que je l'ai posé, je me suis transformé. Hein, développé dans... Bah, c'est pas une chemise, puisque vous étiez en sportswear. Donc une veste. Voilà, hein, donc il est dans la veste, hein, on roulait dans la veste. Et donc on est toujours d'accord, Chad, tu es encore en Krynos. Tout à fait. Ok. Attends, on est où ? On est au bord de la route ou on est dans la forêt là ? Non, c'est quartier de la route. Voilà, ouais, vous êtes dans la forêt, hein, loin de la civilisation. À partir de là, je vais me transformer en Lupus. Ok, ça marche. Donc tu passes en Lupus, je crois. Déjà, c'est changer de forme. Oui, mais t'es pas en situation de stress, hein, donc je vais pas vous demander des jets quand vous êtes en situation de stress. On peut prendre le temps, c'est ça, de se transformer. C'est ça, donc tu prends une forme Lupus sans problème. Donc vous êtes en train d'attendre, hein, les... Excusez-moi. Je suis en Lupus, là, excuse-moi. Oui. Ouais. J'ai une coupure son, je suis désolé. Non, t'es passé en Lupus. À partir de là, je veux rester en alerte et sentir s'il y a des menaces qui peuvent arriver, s'il y a des humains, même innocents, qui pourraient approcher, tu sais, la petite balade nocturne, tout ça, quoi. Bah justement, hein, c'est vrai que je vais. Vous êtes en fin de compte, hein, tous les trois, hein, assez alertes, hein, et clairement, vous voyez des phares de voiture, hein, qui proviennent de cette route-là. Hein. D'accord. Beaucoup ? Pour estimer à deux voitures. Qui se suivent. Je sais pas si on peut se cacher derrière les arbres ou autre, mais ils sont... Genre ils font que passer ou ils ralentissent, genre ils cherchent quelque chose ? Pour l'instant, je pourrais pas dire. Ok. On se met à l'abri derrière un arbre et on surveille. Donc là, il y a deux voitures qui sont passées en mode elles se suivaient, quoi. Ça arrive, en fait, hein, parce que du coup, avec les phares, vous les voyez arriver de loin, hein, parce que là, on est en pleine nuit, et bah, il n'y a pas d'éclairage public, hein, à cet endroit de la route ou autre, hein, donc vous les distinguez d'assez loin à arriver, hein, vous voyez qu'elles sont en train de rouler en plein phare, à assez vive allure, d'ailleurs, vous pouvez estimer. Je me frotte un peu les bras quand même, je pense qu'ils caillent malgré les manteaux en pleine nuit en hiver au Wisconsin, donc je reste pas sur place même, je fais des petits tours s'il faut pour essayer de me chauffer, quoi. Donc Zelda se met derrière un arbre, hein. Chad, toi t'es alerte, Zil, toi tu commences à te réchauffer un petit peu, hein.